Vendredi 20 janvier 2023, madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ce bulletin sportif. Accusé en Espagne d'une agression sexuelle présumée sur une femme le 30 décembre dernier en boîte de nuit, latéral droit des Pumas, Dani Alves, 39 ans, s'est présenté de lui-même au commissariat du Barcelone ce vendredi pour être entendu. Et quelques minutes plus tard, le Brésilien a été arrêté par la police afin d'être conduit devant le juge, selon les informations du média ABC. En Coupe du Roi, le Real Madrid ne lâche jamais rien. Mené 2-0 et au bord du gouffre, la Maison Blanche a renversé Villarreal 2-3 ce jeudi lors des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Alors que Capoue d'une longue frappe dans la lucarne opposée 4e et Chukwueze et 42e ont mis le sous-marin jaune dans le bon sens. Vinicius Junior 57e, Militao 69e et Dani Ceballos 86e ont trouvé la faille pour offrir la victoire aux champions d'Europe. Dans l'autre match, le FC Barcelone s'est largement imposé contre Ceuta 0-5. Rafinha 41e, Lewandowski 50e, 90e, Fati 70e et Kessié 77e ont participé au festival du club catalan. Le programme des quarts de finale de la Coupe du Roi. Et le Real de Madrid joue contre l'Atlético de Madrid, Osasuna, FC Séville, Valence, Athletic Bilbao et le FC Barcelone joue contre la Real Sociedad. Par ailleurs, le FC Barcelone et le Real de Madrid jouent en championnat d'Espagne dimanche, respectivement 12h30 contre Getafe et 3h contre Athletic Bilbao. En Italie, non sans mal, la Juventus a écarté Monza 2-1 lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Italie. Qui est 8e minute de jeu et qui est à 78e minute de jeu ont manqué pour la vieille dame, alors que Valotti, 24e minute de jeu, a trouvé la faille pour le promis. Une victoire difficile qui va faire du bien au club turinois après la raclée subie à Naples 5-1 vendredi dernier en Serie A. En Angleterre, mené 0-2 à la pause, Manchester City a renversé Tottenham 4-2 ce jeudi lors du match en retard de la 7e journée de Premier League. Un comeback improbable du champion d'Angleterre permis grâce à une prestation monumentale de Riyad Mahrez, alors que Kulusevski, 44e et Emerson, 45e, plus 2, ont parfaitement lancé l'espuse. Les Algériens ont littéralement noyé la défense londonienne. Un débordement décisif sur le but d'Alvarez, une offrande pour Haaland et un doublé. D'abord sur un bel enchaînement pour battre Lloris au premier poteau, puis en trompant les gardiens français d'une jolie frappe piquée. 90e minute de jeu. Avec cette victoire, City renforce sa deuxième place et revient provisoirement à 5 unités d'Arsenal, leader avec un match en moins. En Arabie Saoudite, dans le match opposant le Paris Saint-Germain contre Riyad Season, malgré une infériorité numérique durant plus d'une mi-temps, le Paris Saint-Germain a battu l'équipe du Riyad Season 5-4 ce jeudi. Les buts du Paris Saint-Germain sont signés Messi, Marquinhos, Ramos, Mbappé et Kitike. Et ceux du Riyad Season ont été inscrits par Cristiano Ronaldo, doublé sous Talisca. Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur du match. Toujours avec les actualités sur le plan international dans le marché des transferts en Angleterre, l'officialisation du transfert de Leandro Trossard ne devrait plus tarder. D'après les médias anglais, la visite médicale du joueur à Arsenal est terminée. Le Belge pourrait donc quitter Brighton pour les Gunners dans la journée et est disponible dès ce week-end. Devenu valet sûr de Premier League, David Raya est courtisé par beaucoup d'équipes. D'après les informations de Telegraph, le gardien espagnol de Brentford, sous contrat jusqu'en juin 2024, est suivi par Manchester United et Chelsea. Toujours avec les actualités sportives sur le mercato hivernal, arrivé il y a pile un an à Newcastle, Chris Wood, 31 ans, a perdu sa place et rejoint sous forme de prêt Nottingham Forest. Cet accord comprend une obligation d'achat dont le Néo-Zélandais a en réalisé, signé jusqu'en 2024 en faveur du promis. Toujours avec les actualités sur les mercato hivernal, en fin de contrat au mois de juin prochain avec le Real de Madrid, Marco Asensio se voit pourtant rester encore longtemps dans un club où il a tout connu. J'aimerais renouveler et continuer encore pendant de nombreuses années, mais cela ne dépend pas que de moi. Pour moi, l'important est d'être heureux dans le football et j'espère que ce sera
au Real de Madrid. C'est officiel, Memphis Depay va rejoindre le club madrilène. Nous allons parler de l'Atlético de Madrid. Noli Madrid va rejoindre Chelsea. D'après Sky Sport, les Blues et le PSV Eindhoven sont depuis d'accord pour le transfert de 33 millions d'euros. Noli est même déjà à Londres pour passer sa visite médicale. Le club anglais ne compte toujours pas s'arrêter là car, selon The Athletic, une offre de 62 millions d'euros pour Moisés Caicedo a été repoussé par Brighton. En attendant, Madueke, Chelsea compte déjà 5 recrues cet hiver pour 163 millions d'euros dépensés. Danny Ings signe à West Ham jusqu'en 2025. Changement d'air pour Danny Ings, 30 ans. L'attaquant d'Aston Villa s'est engagé en faveur de West Ham, comme annoncé par le club de Birmingham et confirmé par le club de Londres dans la foulée. Ings, international anglais senior, 3 caps et un but, et a rejoint les Amers en provenance d'Aston Villa pour un montant non divulgué jusqu'à l'été 2025. Toujours avec le mercato hivernal, d'après les informations du média polonais Mesiski, que nous pouvons confirmer, Jakub Kiryov va débarquer à Arsenal dans les prochaines heures. Un accord à la hauteur de 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus a été trouvé avec la Spezia pour le recrutement du défenseur central qui va signer un contrat de 5 ans et demi. Une visite médicale est même prévue pour ce dimanche. Toujours avec le mercato hivernal, en cas de départ d'Antonio Conte qui est en fin de contrat, Tottenham a le choix entre Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel, tous les deux intéressés par le poste. Selon des sources, c'est l'Argentin qui a déjà coaché chez les Spurs qui aurait les faveurs des dirigeants londoniens. En basketball NBA hier soir, le Chicago Bulls a battu Detroit Pistons 126-108 avec un double-double de Vucevic. Et 16 points, 15 rebonds et aussi 30 points de Lavine, 26 points de DeMar DeRozan. Boston s'est imposé 121-118 face à Golden State Warriors avec une excellente gestion Tatum, 34 points, 6 passes décisives et 19 rebonds. Victoire des Minnesota Timberwolves sur Toronto 128-126. Philadelphia Sixers a eu raison de Portland Trail Blazers 105-95. Le Phoenix Suns a dominé les Brooklyn Nets 117-118. Le programme de ce soir, 7h, Orlando Magic reçoit New Orleans Pelicans, 7h30, Atlanta Hawks jouera contre le New York Knicks, Dallas Mavericks accueillera le Miami Heat, 8h, Los Angeles Clippers se déplace sur le parquet de San Antonio Spurs, 9h, Utah Jazz défiera les Brooklyn Nets, les Denver Nuggets s'opposera à Indiana Pacers, à 10h, Los Angeles et les Lakers et joue à contre Memphis Grizzlies, Sacramento Kings joue à contre Oklahoma et City et Thunder. Donc et ce sont les matchs pour ce soir, toujours avec les actualités sportives à l'échelle internationale, avec toujours dans le mercato hivernal, le danger se confirme pour l'Inter de Milan, comme nous vous l'indiquions ce vendredi. Le défenseur central Milan Skriniar, 27 ans, 18 matchs en série à cette saison, en fin de contrat en juin prochain, a repoussé la dernière offre de prolongation du club italien. Et selon les informations du quotidien, l'équipe, l'international slovaque, a même dit oui pour rejoindre le club du Paris Saint-Germain dans le mercato estival. Toujours avec les actualités sportives, Mike Maignan a été soumis à des examens programmés qui ont relevé une évolution satisfaisante dans le processus de guérison avec le traitement conservateur mis en place. Le joueur va rejoindre les soins et le travail athlétique préparatoire à un retour sur le terrain. Le média pro madrilène Défensa Central rapporte que la Lazio serait venue à la pêche aux informations cet hiver et aurait été effrayé par le salaire de Mariano Diaz, émanant de 4,5 millions d'euros par année. Si la Lazio veut le recruter, elle devra attendre et l'été prochain pour potentiellement attirer librement le joueur avec un salaire peut-être moins conséquent. C'est ici que prend fin ce bulletin sportif. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.
avez suivi un bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.